Kabila est désignée présidente de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. La pieuvre de l'occupation étend ainsi ses tentacules. Tel est le sujet de mon message du jour. Ce mercredi 30 octobre 2019, conformément aux instructions en provenance de Kingakati, la majorité automatique de Joseph Kabila au sein du Parlement vient d'imposer un membre influent du Tutsi Power, Madame Jeannette Kanambe alias Jeannette Kabila, pour ne pas la citer, à la présidence de la très stratégique commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Comme on peut le constater, la pieuvre de l'occupation n'est donc pas morte, comme le laisse croire la majorité des leaders politiques congolais, soit par naïveté pour les uns, soit par cupidité ou par lâcheté pour les autres. Mes frères, le monstre est bien vivant. Et qui plus est, il est devenu plus dangereux aujourd'hui parce qu'il vient d'entendre les grognements de colère et les grincements des dents des populations congolaises réveillées et déterminées à briser des chaînes de la servitude et de l'humiliation. Le très sage homme politique indien, Mahatma Gandhi, pour ne pas le citer, a dit avec raison, je le cite, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Fin de citation. La jeunesse congolaise qui a compris cette maxime se mobilise aujourd'hui partout à travers la République démocratique du Congo pour secouer le joug de l'occupation et de la prédation. Conscient de cet éveil populaire, l'ennemi voudrait accélérer le processus d'occupation pour le parachever. La désignation de Madame Jeannette Kanambe à la tête de la commission Défense et Sécurité répond ainsi à ce souci des occupants tutsis rwandais de verrouiller tout en les contrôlant tous les mécanismes clés des institutions de la République dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'administration, de l'économie et des finances. Au sein du gouvernement, du Parlement, du Sénat, de l'armée, de la police et de la sécurité, la dangereuse pieuvre qu'est le Tutsi Power est en train de déployer ses tentacules sur tous les postes stratégiques, tandis que les politiciens congolais, eux, sont en train de courir derrière leurs petits intérêts matériels qu'on leur jette sous la table comme à des petits chiens. Déjà à Sun City en 2004, les leaders politiques congolais avaient allègrement cédé le poste stratégique de la défense et sécurité nationale au Tutsi Power à travers la vice-présidence attribuée à Azarias Rouberoua. Celui-ci en a largement profité pour infiltrer plusieurs centaines d'officiers et des milliers de militaires rwandais dans notre armée nationale. Et voilà qu'aujourd'hui, les mêmes leaders politiques congolais récidivent. En effet, personne parmi eux n'a réagi lorsque Azarias Rouberoua s'est accaparé du ministère apparemment sans intérêt de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Et pourtant, à partir de ce ministère stratégique, Rouberoua s'est attelé d'abord à morceler le Congo en province 7 avec pour objectif secret d'attiser le feu des tensions tribales et ethniques à travers tout le pays et créer ainsi
un climat favorable au processus de balkanisation de notre pays, le Congo. Et au moment où les politiciens congolais sont absorbés par la course sordide, stupide pour accéder à la mangeoire nationale, Azarias Rouverois, lui, installait allègrement son propre frère aîné à la tête de Minembwe comme représentant terrien. Et maintenant que Rouverois, avec l'appui du Rwanda, a fini par créer la majorité démographique en faveur des populations rwandaises dans cette région de Minembwe, voilà que Jeannette Kabila a subitement pris le relais et elle est montée au créneau pour ordonner au ministre de l'Intérieur de procéder, toutes affaires cessantes, à l'organisation d'un recensement au niveau national. Cette opération du recensement cache un objectif secret, celui d'octroyer le statut de citoyen congolais à tous les Banyarwandais ainsi qu'aux populations rwandaises déversées ces dernières années dans cette partie de la République avec l'appui et la complicité de l'armée rwandaise. La désignation de Jeannette Kanambe à la présidence de la Commission Défense et Sécurité au Parlement n'est pas un fait du hasard, ni un événement anodin comme d'aucuns pourraient être tentés de le penser. Dans tout système parlementaire ou semi-présidentiel, la Commission Défense et Sécurité est celle qui traite les dossiers les plus stratégiques et les plus sensibles relevant du domaine de la souveraineté nationale. C'est cette commission, en effet, qui propose à l'Assemblée plénière l'avis du Parlement au chef de l'État ou de gouvernement avant de déclarer la guerre, de signer des accords militaires avec des forces alliées ou d'engager des grandes manœuvres militaires en dehors de la frontière nationale. En résumé, c'est cette commission de défense et sécurité qui oriente la politique de défense et de sécurité d'un gouvernement. Et partout dans le monde, on confie la présidence de cette commission à un parlementaire qui a une grande expérience dans le domaine de la défense ou de la sécurité. Mais chez nous en RDC, le choix ou mieux, la désignation de Jeannette Kabila ne répond à aucune de ses préoccupations. C'est encore là une caractéristique d'un pays occupé. En effet, cette désignation de Jeannette Kabila choque la conscience patriotique des Congolais, surtout lorsqu'on considère ses origines rwandaises et son rôle imminent au sein du Tutsi Power dans le processus d'occupation et de prédation de la RDC. Napoléon Bonaparte a dit, je le cite, « La plus grande des immoralités est de faire le métier qu'on ne sait pas ». Fin des citations. Mais nous comprenons que chez nous, en République démocratique du Congo, les normes universelles ont cédé la place à la médiocrité largement illustrée à travers ce slogan devenu populaire « Chance et Lokopamba ». Le peuple congolais doit comprendre que nous sommes engagés dans une course contre la montre avec les agresseurs du Congo qui ne cachent plus leur détermination à s'imposer par la force ou la ruse aux différents postes de commande de nos institutions pour parachever l'œuvre d'occupation, de pillage et de balkanisation de notre pays. Malheureusement, leur tâche est facilitée par certains fils et filles du Congo qui se laissent instrumentaliser et manipuler par ces bourreaux pour assouvir leurs petits intérêts égoïstes. Aujourd'hui, Félix
Tshisekedi et tous ceux qui le suivent aveuglément doivent comprendre que leur président, Félix, n'était qu'une petite parenthèse pour Joseph Kabila, qui en avait besoin pour se mettre à l'abri de la double pression internationale et nationale congolaise à la fin de l'échéance de son mandat présidentiel. Mais maintenant qu'il a réussi à mettre sur pied tout son dispositif politique grâce à la complicité de Félix pour contrôler les institutions de la RDC, eh bien, l'heure est venue pour Joseph Kabila de fermer cette petite parenthèse et de reprendre la commande des opérations. Les dernières déclarations tapageuses des caciques du PPRD à Lubumbashi, annonçant le retour politique de leur grand prêtre, j'allais dire grand gourou, et revendiquant à l'occasion son droit à la candidature pour un nouveau mandat présidentiel, ces déclarations-là, disais-je, sonnent la fin de la trêve politique et du mariage des dupes conclu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'heure de la vérité a donc sonné. Abraham Lincoln a dit, je le cite, « Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation, et d'un homme, il fait alors un lâche. » Fin de citation. Les patriotes congolais qui ont eu le courage de dénoncer cette forfaiture dès le début doivent donc persévérer et demeurer définitivement debout pour ce face-à-face annoncé avec les ennemis de la nation congolaise. Nous y reviendrons. Ingeta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.